Salut, c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite domination sur Zavod 311. Alors, j'ai tout de suite pensé à monsieur Akari28 qui m'en avait demandé et je lui avais dit que j'en ferais cette semaine. On est dimanche. Ben non, on n'est plus dimanche là au moment où je suis en train de jouer cette partie. Nous sommes lundi, il est 0h06, donc je n'en ai pas tenu parole. Tant pis, bon, il va me pardonner, c'est pas grave. Donc, Akari28, cette partie est pour toi, donc j'espère que ça va se passer correctement. Alors, on va attendre de voir comment se déplace, parce que je regarde toujours un peu au début comment se déplacent les autres. Là, je suis dans une escouade de 2. Bon, on va voir si des fois ça se complète par la suite. Que fait-il, mon coéquipier, là? Bon, allez, on y va, on se lance dans la bataille. C'est parti. Alors, donc je suis chef d'escouade, donc il va falloir donner les ordres. Très important, quand vous êtes chef d'escouade, donnez les ordres, parce que sinon on perd des points. En espérant évidemment que les autres vont suivre. Là, on est que deux. Je sais pas où mon collègue se trouve. Est-ce que t'as des mecs? Ah putain! Ah! Ouais, c'est bon ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah la vache, ça va être un ancien joueur Call of, c'est des mecs qui se couchent tout de suite. En général, c'est des anciens joueurs Call of. Reconvertis dans le BF. Allez, bienvenue à vous les gars. Alors, oh là, ça c'est... On va essayer de se planquer derrière le char. Alors, comme ça on n'est pas tout seul. Alors. Ah bah mon collègue il est sur le toit. S'il passe sa vie sur le toit, ça va pas être bon, ça c'est chiant. Ah putain merde, en plus le décor qui me gêne. Ça c'est chiant, les mecs qui sur cette map là vont camper sur le toit. Là, si je suis tombé avec un campeur, je vais pas rester avec lui très longtemps, parce que déjà on est que deux, ça va me gaver. Et alors on va essayer de prendre A. Putain, je voulais donner un ordre d'attaque. Merde, merde, c'est long en plus à donner les ordres d'attaque quand t'es chef des squads. Ça c'est chiant, ça explique aussi peut-être pourquoi les mecs, ils ont du mal à donner des ordres. Bon, on va prendre le M416. Donc, voilà, attaque-moi ça. Alors, il reste là. Hein. Bon, on va remettre le A au cas où. Oh, il y a du monde là. Putain, bah, ils étaient 3. Hein. Ça commence mal, mon vieux Akari. Hein. Si je peux me permettre, hein, si tu me trouves trop familier, n'hésite pas à me le dire. Voilà, Akari28 d'ailleurs qui mérite bien d'avoir ses petites vidéos parce qu'il est très actif sur la chaîne, il laisse pas mal de messages et ça fait vraiment plaisir. Ah, je dis pas que vous autres... Ah, putain. Oh, merde. Putain, mais poussez-vous. Je dis pas que les autres méritent pas leurs vidéos, hein, mais... tiens, toi, hop là, hop. Tiens, voilà, un petit cut. Voilà, ça c'est fait. On va essayer de te faire quelque chose de propre, Akari. Mais là, ça a l'air mal barré. Donc là, je suis dans une escouade un peu plus complète. Normalement, si les mecs jouent correctement, ça a l'air d'être le cas parce qu'ils suivent là. Déjà au départ, c'est déjà bien mieux. Et puis ils ont l'air de jouer les objectifs, ce qui est pas mal du tout. Lui, il est tombé, on va voir ce qu'on peut faire. L'autre aussi. Alors, lui, ça c'est fait. Merde. Est-ce que je vais avoir le temps de... Ouais, hop, c'est fait. Merde, ah putain, j'ai... Ah, l'autre là. Ah, merde. Il doit... Ouais, bah il lui restait pas grand chose. Hein. Ça s'est joué à pas grand chose, mais il a assuré. Il a tiré le premier. J'ai hésité une demi-seconde et ça coûte cher, quoi. Enfin bon, en même temps, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas joué. Donc, je vous prie de m'excuser. C'est comme pour les vidéos de... Ah tiens, mange, quoi. C'est comme pour les vidéos de Titanfall, hein. Faut reprendre le jeu en main, voilà. Ah putain, ça vient d'où? Alors, ça doit être là le point chaud. On perd tous les points, on est mal barré. J'ai bien peur, Akari, qu'on ne perde cette partie. J'aurais préféré t'offrir une victoire. Mais, c'est mal parti. C'est mal parti. Mais on a vu des renversements déjà, hein. c'est pas dire rien n'est joué. Hein. Si on joue bien les objectifs, putain ils tombent comme des mouches les mecs là, il est où l'autre là?
faire un veille-toi, ta soldat. Hop, là, toi aussi, debout, 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 debout. Allez, 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 putain, putain, voilà, c'est bon, c'est fait. Il doit y en avoir un autre qui traîne dans le coin, là. Il y en a un autre, forcément. J'entends ses pas, j'entends ses pas. Ah, il est passé là, il est passé là, il est passé là. Merde, merde, loupé. Putain, je crois pas. Bon, calmons-nous, détendons-nous. Allez, on va spawner sur lui là, on est en train de reprendre. Hop, oh putain, putain! Je veux trop bien faire et puis d'habitude je panique pas du tout. Là je me suis mis la pression pour Akari, lui faire quelque chose de bien et puis bah du coup je fais n'importe quoi. Alors on essaie de se ressaisir, c'est que le début. 204-212, c'est jouable, il n'y a pas de souci. Plus on est en train de reperdre le C, on va retourner sur le C tout de suite. On était bien là, on en avait deux. Si on arrive à maintenir tout le temps en permanence, tiens-toi, bouge pas, bouge pas. Voilà, ça c'est fait. Si on arrive à en garder deux tout le temps, tiens-toi, mange, mange, mange. Putain, c'est bon, il est tombé. Petite trousse. Allez, hop, on va arriver à reprendre celui-là, peut-être. Alors. Il y en a un autre qui est tombé là-haut. Ah oui, on repère le A tout de suite. Merde. Alors, attends. Attends, attends, attends. Est-ce que... il est là, il est là, il est là. Ah, merde, putain. Putain, il est bon, Eona, là. Il est bon, ce con. Tu veux pas venir dans notre équipe, toi? Alors, voilà, lui. On va essayer de faire gaffe. Hop là, voilà. Ah, j'aurais préféré me venger d'Eona, mais tant pis, c'est un collègue à lui. Alors. Hop, toi. Merde, je tire sur mes potes. Quel con. Merde, merde. Putain, il y en avait un là. Il a eu, c'est bon. Alors. Oh là là. Ah ouais, je l'ai senti venir de loin. Jamais traversé par ici, c'est l'horreur. Ils sont bien en face, ils jouent bien. Hein. Ils jouent bien. Alors. Donc. Là. Est-ce qu'on va avoir le temps? Voilà, toi, réveille-toi. Hop. Est-ce que. Ah bah, il est déjà à nous, c'est, mais tant pis. On va partir sur B. Alors, c'est chaud, j'aime pas traverser par ici, en général. Ah oh, putain, voilà, je savais. Je n'aime pas. Ah, putain, merde. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud, j'aime bien. J'aime bien quand c'est speed comme ça. Et que. C'est chaud. Je sais pas ce qu'ils racontent dans le chat, mais ils ont l'air de se prendre la tête. Ça vaut pas le coup, mais bon. Alors. Ouais, on va respawn là. Réveille-toi, toi. Putain, merde. Allez, réveille-toi! Mais, oh putain, je déteste me faire tuer bêtement comme ça, alors que c'est de ma faute. J'aurais dû tuer les autres avant, enfin tirer sur les autres avant, mais j'avais peur que son truc il disparaisse, comme on n'a pas beaucoup de temps pour Rez. Alors, on y retourne. 159, 152, on a repris l'avantage. C'est pas mal. C'est pas mal, double kill, je suis content. Montre-moi ta gueule, toi. Il va passer de l'autre côté, il va passer de l'autre côté. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Alors maintenant, faut qu'on tienne. On est full cap. Presque. Parce qu'ils sont en train de reprendre le B. Alors. Une petite grenade là-dedans. Avec un peu de bol. Allez. Hop. Ah putain, putain, putain! Aïe 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 aïe, putain, à chaque fois il manque pas grand chose. Hein. Et ils sont chiants avec les femtype là. Les mitrailleuses, dès que t'es touché, tu peux plus viser correctement. Heureusement j'avais un pote dans le coin. Alors. Allez, 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 les claques. Ah merde, c'est ma faute. Je sais pas pourquoi j'ai tiré à gauche au lieu de tirer au centre.
Ça me le fait de plus en plus souvent, ça. Allez! Putain de chrono! Attends, je te cut, quoi. Hop là. Voilà. Ça, c'est pour Akari. Allez, ça, c'est fait. Donc. Alors. Alors, en parlant d'Akari 28, il a une chaîne aussi, qui est, ma foi, très sympathique. Là, j'ai commencé à regarder un let's play qu'il a fait, que je trouve sympa, sur Tomb Raider. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'avais rincé complètement, j'avais commandé l'édition collector avec la statuette de Lara Croft, vous savez, le pack sur le survival kit. Et je vous le montrerai peut-être un de ces quatre. C'est rare que je commande physiquement des jeux et vraiment très rare que ce soit des éditions collector. Faut vraiment que le jeu m'intéresse. Et j'étais un fan des tout premiers Tomb Raider. Après, j'avais un peu lâché l'affaire. Et je croyais vraiment dans le renouveau de la licence, là, la façon dont c'était. Hop là, putain, il est pas. Putain, ça touche mal des fois. Là, il reprend une grenade dans la gueule et il a rien. Je crois pas. On va arriver à le buter quand même. Attends, t'es où, connard? T'es où, connard? Je le pense pas vraiment, hein. C'est dans l'ambiance du jeu, on est bien d'accord. Connard. Parler et jouer, c'est pas évident. Donc, je disais, ouais, dans la Croft, ouais, j'y croyais à fond, et je dois dire que j'ai eu peur, parce que l'édition collector valait quand même la peau des fesses. C'est toujours. Ah, tiens, mange-toi, c'est toujours cher, les bonnes éditions. Et je regrette pas, franchement, elle est sympa. Et puis le jeu, je vous dis, je l'ai rincé, j'ai dû le faire 3-4 fois d'affilée. Je l'ai retourné dans tous les sens, j'avais trouvé que le gameplay était vraiment bon, que l'histoire était sympathique, sachant que c'était vraiment que dans le premier volet, hein, puisqu'il y aura une suite. Merde, j'aurais pas dû accepter la raise. C'était le but de poser le personnage, quoi. Donc voilà, donc son let's play, j'ai trouvé très sympa. Pour l'instant, j'ai regardé les 2-3 premiers épisodes. J'aime beaucoup comment il parle de la poitrine de Lara. Poitrine conquérante, dit-il. Je suis tout à fait d'accord avec lui lorsqu'elle se cambre d'une certaine manière. Ah bon, là, on est entre mecs, on peut discuter. Hein. Pardon, mesdames, si vous nous écoutez aussi. Mais, putain. Allez, un cut. Et hop, voilà. Merde, je me suis fait buter aussi. Pardon mesdames, mais vos poitrines en général sont quand même magnifiques et ça fait quand même beaucoup fantasmer les garçons. Et il n'y a rien de plus beau qu'un sein. Si, deux seins. Non, je déconne, allez, on va passer à autre chose. Donc, on revient sur ce Battlefield 4. Et je dois dire que là, ce coup-ci, on a pris l'avantage. L'air de rien, j'avais même pas fait attention. Donc finalement, peut-être une victoire. J'étais un peu pessimiste au début. En même temps, merde, tu vas claquer toi ou pas? J'avais un équipier qui était, ma foi, que je ne félicite pas. Je sais pas s'il est toujours sur son toit d'ailleurs, mais hop hop hop. Merde, putain. Ils sont bons les mecs de la Team Lady là. Puis alors là, c'est avec eux qu'ils se prennent la tête l'autre là. Mais ben arrêtez de vous prendre la tête, hein. C'est naze ça. Amusez-vous, merde, on est là pour se détendre. Putain, je suis encore tombé. Oui, on est là pour se détendre. Mais arrête d'accepter les raises, Angel, putain. Alors, c'est un peu fouillis, hein, là, je dois dire. J'essaierai d'en faire un autre avec un meilleur. Ah putain, avec un meilleur gameplay. Voilà, on s'en sort pas trop mal, de toute façon, je suis en positif. C'est pas le ratio le plus important, mais de toute façon, je vous l'avais dit dans la première vidéo que j'avais fait, hein, je suis pas un gros killer, je suis surtout là moi pour prendre les objectifs et m'occuper de mes collègues. Hop là, et au passage, faire des kills comme ça, quand ça gêne, quand c'est sur la route. D'ailleurs, normalement, hop, merde, c'est l'idée du jeu, c'est d'aller à un point et de s'y tenir, et tout ce qui se met entre toi et le point, tu le dégommes, et merde.
Voilà, et le but du jeu, c'est pas d'être comme souvent, malheureusement, en domination et de jouer comme si c'était de la MME, c'est-à-dire chercher les kills à tout prix et oublier les objectifs. Ce qui est un peu dommage, parce qu'il existe un mode pour ça, justement, qui se nomme MME. Alors, toi, hop là, il a été touché. Est-ce que on va. Ouais. Merde. J'aurais même presque pu reste le mec en haut, mais je voulais me débarrasser du mec en bas et en fait il était plus là déjà, donc je vais laisser mourir un collègue pour rien. Alors toi, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avant que ton loading disparaisse? Merde, putain, ah putain, je voulais y aller, hein, mais bah, de toute façon il était trop tard, son icône avait disparu et l'autre il a surgi là avec son M-Type. Putain, il m'a démonté 8 fois cet enfoiré, je l'ai même pas tué une fois. Ah non, mais à chaque fois que tu te fais tirer par une mitrailleuse, toi du coup tu. Putain, mais. Oh putain. Merde. On va pas finir comme ça, ça serait con, j'entends la petite zic là. Ah, c'est bon ça, un petit rêve. Allez, hop, et de 1. Ah, l'autre il va revenir là. Hop, tac, toi t'es là. Hop, clac, clac. Il y en avait un autre. Ah, c'est bon, putain. Oh putain, 7-0, à 7 tickets. Bon, et eh ben, je suis pas mécontent, on va dire bravo à tout le monde, voilà, c'est fait. J'espère que vous avez apprécié cette partie, ça faisait longtemps que j'avais pas été sur Battle, et je suis vraiment content d'être revenu dessus, je vais m'en refaire une ou deux derrière, histoire de voir si je peux en faire d'autres pour mettre sur la chaîne. Akari, j'espère que t'es content, et ben, je dis à bientôt à tout le monde, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez, allez, bye!